Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast ML2. C'est le premier épisode de cette saison 2023-2024, tout simplement. Alors bienvenue, prenez place, on espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Et pour l'occasion, j'ai d'abord le plaisir d'accueillir un de mes collègues de la team ML2, journaliste, rédacteur, chroniqueur pour le site Malik 2. Les casquettes sont décidément multiples, il sait tout faire. C'est Julien Parisot qui sera avec moi aujourd'hui. Comment ça va, Julien? Salut Karel, ça va très bien, un plaisir de se retrouver pour une émission avec un invité de marque aujourd'hui. Effectivement, tu l'as teasé. Nous ne serons pas que deux aujourd'hui pour cette série. On a voulu voilà, essayer de s'entourer d'acteurs marquants dans le panorama du football français, puis évidemment dans le panorama de la Ligue 2. Je pense qu'on a visé plutôt juste aujourd'hui pour cette première, vous allez le voir, puisque nous sommes accompagnés d'un ancien joueur, désormais entraîneur, qui totalise plus de 500 matchs sur les pelouses et les bancs de seconde division. C'est pas rien. Il est passé par Bastia tout récemment, mais aussi par Niort ou Clermont. Pour ne citer que ces clubs, avec nous aujourd'hui, Régis Brouard. Et là, Régis, merci beaucoup déjà d'avoir accepté notre invitation. Et puis, comment tu vas? Bah ça va bien, hein, ça va bien. Oui, ça va bien, ça va bien. On digère doucement la période d'après Bastia, mais voilà, ça fait partie de notre, malheureusement de notre métier. On sait que ça peut arriver et que ça arrive parfois, bon, pour des raisons multiples. Mais dans l'ensemble, ça va. On redécouvre certaines petites choses de la vie du quotidien, où on a perdu un peu, où on perd un peu tout ça parce qu'on est toujours tellement pris, occupé ou préoccupé dans l'esprit à penser à tellement de choses. Donc voilà, je ne vais pas dire qu'on revient dans la vraie vie, mais on revient dans les choses les plus simples de la vie. Forcément, alors. Un petit disclaimer avant de se lancer dans un programme de toute manière qui sera dense. Tu as commencé à en parler, Régis, tu sors de cette aventure avec le Sporting. On va pas parler spécialement des derniers mois et puis des dernières saisons à Bastia pour des raisons qui appartiennent à Régis et au Sporting. Mais voilà, comme je l'ai dit, on a un programme qui est quand même assez dense, donc il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. On va pouvoir aborder plusieurs thématiques qui vont être passionnantes, j'en suis sûr. Tu as commencé un peu à en parler, Régis. Comment toi tu vis ces 2 premiers mois? Voilà, ça va faire 2 mois maintenant que tu as quitté le Sporting. Est-ce que voilà, tu es plutôt dans l'optique, comme tu l'as dit, de redécouvrir un peu certaines choses auxquelles tu n'avais pas le droit pendant ces 2 saisons et demie, ou est-ce que voilà, est-ce que l'ambition, peut-être aussi l'envie de retrouver un banc rapidement, reprend déjà peut-être le dessus? Bon, en fait, on passe par plusieurs étapes. Déjà, on digère le mieux possible parce que ça reste toujours difficile à accepter. Et, encore une fois, pour des raisons personnelles aussi, ça reste une cicatrice. Et puis après, à un moment ou à un autre, bah, il faut passer à autre chose parce qu'il faut avancer. Alors, les étapes, je ne cache pas qu'on se coupe un petit peu du foot, du terrain. Et j'ai passé bien moi ne plus regarder de foot en dehors de regarder l'actualité, bien sûr, parce que de toute façon, quoi que c'est plus fort que nous, il faut qu'on regarde ce qui se passe. Mais j'ai coupé avec le foot. Et puis après, je me suis remis un petit peu dedans à regarder à nouveau des matchs à la télé. Et puis après, dans la vie de tous les jours, bah, vous reprenez des choses simples. Vous allez voir vos enfants, vous allez voir vos petits-enfants, parce que je suis grand-père, donc je vais voir mes petits-enfants que j'ai jamais l'occasion de voir. Vous reprenez des choses, prenez un petit peu plus de temps à vous, même si moi je faisais toujours un petit peu de sport, mais vous en faites un petit peu plus. Vous lisez, vous allez au cinéma, vous allez au musée, vous allez voir des choses un peu extérieures, du monde du foot. Vous ouvrez les yeux, vous regardez un petit peu les choses. Vous écoutez l'actualité générale, pas que du foot, du monde entier. Et puis vous en faites aussi un peu, pas une remise en question, mais vous vous posez les questions, les mauvaises, les bonnes, les raisons. Qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait. Voilà, il y a tout un travail à faire sur soi-même. Alors on peut parfois se faire aider, parfois on ne se fait pas aider. Parce qu'on peut se connaître et on essaie de faire ce travail sur soi. Et puis petit à petit, bah, les choses reviennent dans l'ordre. Et puis, de toute façon, notre vie est à travers que le terrain. L'envie de vite revenir sur un terrain, de reprendre des choses à faire et puis d'avancer. Parce que de toute façon,
j'ai encore des choses à faire, j'ai encore envie de faire des choses. Donc voilà, on se prépare doucement à repartir. Toi, du coup, t'es encore vraiment dans cette optique où voilà, chaque aventure te sert aussi à évoluer en tant que coach, même avec toute l'expérience que tu as aujourd'hui. Il y en a, je ne sais pas si c'est une chance, mais le foot et les résultats et le foot et les relations dans le milieu du foot sont tellement aléatoires parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain, du jour au lendemain, qu'on ait des résultats, qu'on n'ait pas de résultats, on peut malheureusement se faire virer. Je suis désolé d'employer ce terme, mais c'est la vérité. Et parfois pour les bonnes et les mauvaises raisons. Mais on est habité par en fait on est habité par la compète, on est habité par le résultat, on est habité par ça parce qu'en fait c'est notre vie tout simplement. Dire on a je en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, ça va faire 20 ans que je suis entraîneur aujourd'hui, j'ai vécu tout un tas d'expériences. On s'en sert, on sait que ça va jamais ressembler à une autre parce que vous changez de région, vous changez de personne, il y a des complexités avec des gens avec d'autres qui sont moindres ou différentes. En fait, on est toujours dans l'adaptation des choses, on s'adapte par rapport à la mentalité où vous vous trouvez. Voilà, je peux en parler parce que je sors d'un club où, voilà, c'est quand même un club très particulier, un club attachant pour ses imperfections aussi. Et j'ai fait d'autres clubs. Donc, on doit se servir de tout ça. Et de se servir de tout ça, bah, c'est de se remettre aussi en question. Parce qu'à un moment, qui a la vérité? On a toute notre propre vérité, mais la vérité de quoi? La vérité du résultat, la vérité de la progression d'un joueur, la vérité de notre façon de voir le foot. Il n'y a pas de vérité, en fait. Donc voilà, mais avec l'âge, on prend de recul un peu. De temps en temps, on essaie de prendre du recul, parce que parfois, on dit qu'on essaye, mais on n'a pas toujours le recul, parce qu'on est porté par ce truc-là qui est la compète, et puis le terrain, et tout le week-end. Voilà, c'est comme ça. Et ça nous manque, et ça me manque beaucoup. Beaucoup. J'imagine, c'est vrai qu'après, c'est un mode de vie, en fait, tout simplement Tout à fait pour les ça. acteurs du foot. C'est un mode de vie. Tu m'as fait une petite passe décisive parce que j'allais t'en parler. Tu sors d'un projet, voilà, Bastia, qui est un club forcément particulier avec une vraie ferveur où on a l'impression que tout est un peu décuplé au niveau des émotions autour du foot aussi. Tu as passé presque 100 matchs sur le banc à Bastia. Et moi, j'ai l'impression que ça a matché rapidement au niveau de toi, de ton attache à la Corse, au niveau de ton ressenti avec le club aussi. Est-ce que déjà tu peux me confirmer cette impression? En fait, ça a matché de suite parce que, étant un homme passionné, en fait, j'aime être avec les gens passionnés. Alors, malheureusement, la passion entraîne des excessivités, d'un côté comme de l'autre. Et Bastia et la Corse est habitée par ça. Dire, ça peut monter très haut comme ça peut descendre très très bas. Et on est lié par un contexte de résultats, par l'histoire de ce club, par le passé de ce club, il s'est passé tellement de choses. Quand vous arrivez là-bas, vous sentez bien l'histoire. Je veux dire, moi, la chose qui m'a frappé le plus quand je suis arrivé là-bas, c'est quand je suis rentré sur le terrain. Dire, il y a une odeur, il y a une odeur, il y a une âme particulière. Bon, en fait, on sait qu'il s'est passé beaucoup, 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 beaucoup de choses ici. Et cette sensation m'a toujours été présente tous les 15 jours à chaque fois qu'on jouait. Dès que j'arrivais au stade de l'après-midi, du match ou dans la semaine, parce que on travaille au stade. Voilà, vous sentez ce truc particulier. Et puis après, il y a le contexte et l'environnement, parce que bah, les gens sont. Dire les résultats du Sporting sont l'humeur des gens dans la semaine. Vous gagnez, vous savez que vous avez passé une bonne semaine et les gens vont passer une bonne semaine. Vous perdez, bah, les gens ils sont pas contents, ils vont pas passer une bonne semaine. Vous êtes le garant de leur vie, du quotidien, en fait. Et quand vous ne faites pas le nécessaire et vous ne faites pas ce qu'il faut sur le terrain, alors parfois vous pouvez perdre, mais en ayant mis les moyens. Et quand vous n'y mettez pas les moyens et puis il n'y a pas le résultat, ben en fait, ce n'est pas normal. C'est des choses qu'ils ne comprennent pas. Alors, ça devrait être tout le temps, ça devrait être partout comme ça, quelque part.
Mais à Bastia, comme d'autres clubs, comme ce sont des clubs passionnés, eh ben, c'est toujours plus encore et encore. Et voilà. J'ai presque envie de vous dire, parfois, quand vous avez la chance d'être passé par ce club-là, vous en sortez pas, vous en sortez pas tranquille quand même. Dire, bon, même j'ai 57 ans aujourd'hui, j'ai fait, voilà, j'ai ma carrière, ça fait 20 ans que j'entraîne. Ben, je peux encore dire que ça a été une formation accélérée en passant par le Sporting Club de Bastia, parce que vous découvrez plein de choses. Vous découvrez, mais même dans le management, et je pense qu'on en reviendra tout à l'heure sur une question, le management, l'approche, c'est différent. Donc, chaque club et chaque région a sa spécificité. Il faut s'y adapter le mieux possible en essayant de comprendre tout le monde, comment ça fonctionne, mais avec la complexité des êtres humains, des uns et des autres. Voilà. Est-ce que ça vous arrivait de sentir que vous aurez du mal justement à vous habituer aux, comment dire, aux us et coutumes d'un certain club, d'un endroit où vous êtes arrivé en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, peut-être. Là, je dévie un petit peu aussi seulement de l'aspect managérial, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire à un endroit ça va être difficile de matcher, ou alors est-ce qu'à chaque fois vous avez visé juste dans votre carrière? Non, j'ai tapé à côté parfois. Non, il y a parfois. Mais c'est comme toutes les rencontres, hein. Même quand vous rencontrez une femme, vous rencontrez quelqu'un, ça peut matcher, ça peut pas matcher pour des raisons que vous comprenez pas, ou vous comprenez, vous savez. De toute façon, vous savez rapidement si ça va le faire ou si ça va pas le faire. Le contexte de la région, la mentalité, si c'est très critique, si c'est très spectateur, si c'est très. Voilà, il y a beaucoup de. Par rapport à vous-même, parce que quelque part vous vous connaissez, hein. Comme vous avez travaillé pour quelqu'un ou dans un endroit, vous savez très bien si ça va vous plaire ou pas plaire avec les gens avec qui vous bossez. Je veux dire, mais nous on le sait. Alors parfois on s'y adapte, on fait avec, et ça fait partie de notre boulot. Mais moi, moi j'ai besoin de travailler dans un cadre de passion, des gens qui répondent. Qui répondent à ma façon. Je veux dire, alors parfois, on peut dire. Je sais que parfois je suis excessif dans mes mots, dans mes comportements. Je le sais. Mais en fait, on nous dit qu'il faut qu'on se corrige, qu'il faut qu'on fasse attention, qu'il faut. Mais moi, j'ai simplement à 57 balais aujourd'hui, j'ai envie d'être moi-même. Voilà, en fait. Et si j'ai envie de dire quelque chose, bah, je le dirai à ma façon, ou je le ferai à ma façon. Mais par contre, je ferai attention aujourd'hui, quand vous êtes passé par le Sporting, éventuellement d'aller travailler dans un club où tu as envie d'y aller. Ouais. Et que les gens aussi ont envie et qui acceptent comment on peut fonctionner. Voilà. Même si on sait que la vie des entraîneurs, malheureusement, aujourd'hui, devient de plus en plus courte dans les clubs. Et ça devient toujours difficile, et qu'on est toujours malheureusement jugé par les résultats. Voilà. Avant d'arriver à Bastia, en plus tu sortais d'une aventure au Luxembourg. C'était, j'imagine, enfin, j'imagine, bon, je ne connais pas spécialement le championnat le luxembourgeois, mais j'imagine qu'il y avait quand même en plus une certaine différence au niveau de la ferveur entre les deux clubs au moment de ton arrivée à Bastia. J'imagine que tu as dû le ressentir. Quand j'ai fait le choix de partir au Luxembourg, je voulais quitter un peu la France pour des raisons personnelles, et me remettre aussi en question et dire l'ampleur ou le foot au Luxembourg. Il n'y a pas une grosse présence dans les stades. Il y a des choses que j'ai découvertes, que j'ai découvert là-bas aussi. Vous arrivez dans un match, il y a 50 personnes au match. C'est la Ligue 1, c'est la BGL là-bas. Et je ne veux pas dire que vous tombez de haut, mais ça vous fait du bien aussi. Parce qu'on retombait, je ne vais pas dire dans le vrai foot, mais dans des choses que. Et j'ai joué dans des stades, dans des endroits, mais improbables. Je me dis, mais. Je me suis parfois posé la question et pincé. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais ça a été mon choix qu'il fallait respecter.
Le travail a été fait parce qu'on avait réussi à qualifier ce club pour les préliminaires de la Conference League. Mais ça a été une bonne expérience. Et puis après, quand vous décidez de quitter le Luxembourg parce qu'il fallait partir, vous vous retrouvez à Bastia. Je peux vous assurer que les extrêmes, là, vous les connaissez. Hein. Je veux dire, là, on passe d'une extrême à l'autre. Il n'y a pas de juste milieu. Mais c'est ce qui faisait aussi le charme de la. Bah, ce qui fait le charme de notre métier aussi. Hein. Parfois, vous passez des moments un peu difficiles et compliqués. Et puis, parfois, d'un seul coup, vous retrouvez dans un contexte, un environnement que vous recherchez, que vous avez envie. Et j'en ai eu la chance et on m'en a donné l'opportunité. Donc. Mais c'est vrai que là, on passe d'une chose à une autre, incroyable. Au niveau t'en parlais un peu, mais au niveau des attentes des Bastiais, est-ce que toi, tu as l'impression que c'est des attentes qui sont vraiment sportives au niveau des résultats, ou est-ce qu'il y a vraiment cette envie de voir au moins les valeurs de Bastia et puis les valeurs corses aussi qui sont au moins présentes sur le terrain? Est-ce que c'est plutôt à ce niveau-là, tu penses que les attentes se trouvent? Automatiquement, oui, mais vous savez autant que moi que le foot a beaucoup évolué. Le foot a beaucoup évolué, le jeu a beaucoup évolué, la mentalité des uns et des autres a beaucoup évolué. Des valeurs qu'on pouvait prétendre ou parler dans le temps, c'est de plus en plus difficile à mettre en place et à trouver. Mais à Bastia et la Corse, en fait, il y a des choses qu'il faut respecter. Alors, encore une fois, ça amène de l'excessivité parfois, mais il y a des choses avec quoi vous pouvez pas mentir et tricher. Et quand vous y mettez pas ça, hein, je veux dire la valeur de porter l'écusson de ce maillot et de ce club. En fait, ça a une vraie valeur. Ça a une vraie valeur pour les gens. En fait, ils ne comprennent pas. À partir du moment où vous mettez ce maillot, vous avez enfilé ce maillot, vous devez respecter l'histoire de ce club. Et l'histoire, je vous parle de ce qui s'est passé de bien et de mal, hein, avec le drame qui s'est passé. Donc, le respect de ces victimes, parce que c'est très présent. Et malheureusement, la nouvelle génération ou la génération juste avant moi, peut-être, ne savent pas ou ne comprennent pas ça. Ou on ne leur explique pas. Et je crois que on voit qu'il y a des problèmes parfois de comportement ou d'histoire des clubs, parce que chaque club a son histoire. En fait, on n'explique pas suffisamment aux joueurs qu'est-ce que ça représente le club. Leur faire voir le passé, l'histoire, les raisons, pourquoi ce club existe, pourquoi ce club est descendu si bas, pourquoi ce club est remonté si haut, pourquoi ils ont passé parfois un désert. Parce qu'il y a toujours des raisons, il y a toujours des explications. Et je crois, c'est même pas que je crois, j'en suis persuadé aujourd'hui, on n'explique plus ça. On n'explique plus ça. Et on essaie de leur faire comprendre, ou on essaie qu'ils devinent eux tout seuls, qu'est-ce que ça peut représenter. Et à Bastia, je crois qu'il faut leur expliquer. Il faut expliquer ce que c'est le Sporting Club de Bastia et ce que ça représente pour les gens de mouiller ce maillot avec des vraies valeurs. Alors, toujours d'une façon, encore une fois, il ne faut pas exagérer non plus. Mais moi, je pense qu'il faut l'expliquer. Et ce n'est pas toujours fait. C'est pas toujours fait et c'est pas toujours bien fait non plus. Parce que les explications, il faut qu'elles soient données par les vraies personnes qui portent ces valeurs, qui portent l'histoire de ce club. Et je pense que les gens, après, les jeunes joueurs, la jeune génération, ils sont capables de comprendre. Mais c'est pas fait. Mais à Bastia, il y a des choses qu'il faut respecter. Et si vous ne respectez pas, on vous le fait sentir. Je peux vous assurer qu'on vous le fait sentir tous les jours. tous les jours. Mais encore une fois, ça fait partie du charme de ce club aussi. Hein. C'est comme ça. Hein. Quand vous allez là-bas, vous le savez. Hein. Donc, il faut l'accepter. Mais vous le savez que ça va se passer comme ça. Et moi, je ne vais pas dire que j'en retiens toujours que des bonnes choses, mais j'en retiens toujours des bonnes expériences et pour avancer pour la suite. C'est surtout ça qui m'intéresse.
quand tu dis pardon que tu qu'il faut justement des gens qui vont enseigner en fait justement aux nouvelles générations l'histoire d'un club, son passé riche, surtout hein, pour un club comme Bastia. Tu étais plutôt effectivement pour qu'il y ait des garde-fous, des personnes qui transmettent le relais, qui sont des personnes générationnelles, qui sont comme les meubles voilà au club et qui doivent rester voilà moi je pense en ce moment il y a plein de changements de direction avec des investisseurs étrangers qui arrivent et qui veulent changer tout du jour au lendemain et voilà qui veulent renverser la table. Et c'est pas viable pour toi dans certains clubs comme Bastia par exemple, mais peut-être dans le football en général en France, tu penses que c'est... Mais le football en général, comme la société, en fait, on n'explique plus rien en fait aujourd'hui. La nouvelle génération ou la génération, en fait, je vais pas dire qu'ils sont livrés à eux-mêmes, même s'ils sont livrés à eux-mêmes. Mais en fait, tu t'aperçois, moi je m'aperçois que, quels que soient les gens, on a quand même besoin de repères, on a besoin de... Pourquoi on est là? Pourquoi on fait ces choses-là? Pourquoi on se prépare à faire ça? Pour quelles raisons? Parfois, en fait, on n'explique plus rien. Et en dehors de leur dire, il faut gagner les matchs. Il faut gagner les matchs, oui, mais il faut gagner les matchs. Déjà, c'est tellement difficile de gagner un match. Mais si, de leur dire que ça, en fait, ils vont dire, mais pourquoi ils nous expliquent que ça? Ils vont dire, ben, on sait qu'il faut qu'on gagne des matchs. Mais il faut gagner des matchs, pourquoi il faut gagner des matchs? Il y a tout un raison, mais même nos propres enfants, je veux dire, on peut parler de politique, on peut parler d'industrie, on peut parler, en fait, il y a d'éducation, on peut parler de plein de sujets. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'explique plus rien, on ne dit plus rien. Et moi, je suis convaincu que la nouvelle génération, quoi qu'on dise, parce qu'ils sont difficiles à gérer ici, qui sont difficiles à gérer, qui ont une mentalité, qui sont dans leur monde, qui sont le côté virtuel, le côté jeu, le côté... Il y a tellement de choses qui vont vite, on leur donne tellement d'informations aussi, parce qu'il y a ça aussi, il y a les bonnes et les mauvaises informations. Il y a les médias, il y a les jeux, ils sont tellement entourés que les émissions de télé, parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, ils écoutent tout, ils regardent tout. Et après, ils font leur truc à leur sauce. Mais par contre, on ne leur explique pas toujours les bonnes choses. Et moi, je pense qu'il est important de leur expliquer les bonnes choses. Et moi, je pense qu'ils ont la capacité d'entendre. Alors, ils vont peut-être prendre 10%, 15%, 20% de ce qu'on leur a dit, mais ils vont quand même le prendre. Parce qu'à un moment ou à un autre, ils vont se servir de ça. Parce qu'on leur a expliqué. Mais on ne prend plus le temps de leur expliquer. On ne prend plus le temps de leur dire. Parce que vous êtes porté par... tout le monde est pressé, il faut que ça aille vite, il n'y a plus de patience, il y a de moins en moins de tolérance, il y a moins en moins d'empathie. Alors, même s'il en faut, je sais que c'est un sujet que vous allez évoquer avec moi tout à l'heure, mais sur la relation avec les joueurs, mais vous me parlez des investisseurs étrangers. C'est bien, il faut que le monde évolue, il faut que ça avance. De toute façon, on a besoin de finances aujourd'hui. Moi, je ne vois pas ça d'un mauvais œil. Mais il faut leur expliquer. Chaque pays a sa culture, chaque club a sa culture, chaque club a son histoire. Il faut pas. On n'est pas là que de passage, on vient pendant 1 an, 2 ans, on fait ces choses, mais vous allez y laisser quelque chose quand même, et qu'il va falloir expliquer après, qu'est-ce qui va se passer. Vous n'êtes pas là de passage, je veux dire, je suis passé, j'ai fait ce que j'ai à faire, j'ai pris ce que j'ai à apprendre, et puis après je me casse. Non, c'est pas comme ça. Moi, je ne vois pas les choses comme ça, je vois pas la vie comme ça, et je vois pas la vie d'un club aussi comme ça. Comme ça se passe, comment voulez-vous que les joueurs ils aient des repères? Sur quoi ils vont s'attacher? Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent. Ça perd, ça gagne. Il y a plus, en fait, il n'y a plus grand-chose. Et moi, je pense qu'il faut revenir à des. Il faut revenir ou il faut venir à des choses ou essayer à des valeurs, d'explications aux uns et aux autres. Et à nous-mêmes aussi, hein. Moi, j'aime bien quand j'arrive dans un club qu'on m'explique. Mais il y a des clubs où je suis arrivé, il y a des choses qui m'ont marqué.
Le premier contact avec des clubs où je suis arrivé, vous savez ce qu'on faisait? Il y a des clubs, ce qu'ils m'ont fait. Ils m'offraient le livre, un livre de l'histoire du club. Point. Bonjour, ça. Ravi de vous rencontrer, papa. La première des choses qu'on m'a faites dans des clubs, on m'a offert un livre du club. Et la première chose que j'ai faite le jour même où je suis rentré chez moi dans ma chambre d'hôtel, j'ai ouvert le livre de ce club, j'ai regardé les photos et j'ai lu une partie de ce, et j'ai lu le livre. Voilà. Et je comprenais que... je comprenais. Mmh. Et après, tu fais ou tu fais pas, ou tu vas avec ou tu n'y vas. Mais ce n'est pas toujours le cas. Pas toujours le cas. Ça devrait être presque la base, au final, quand on arrive dans un nouvel environnement. Ça facilite à la fois pour la personne qui va recevoir justement ce livre-là, et puis pour son adaptation pour tout le monde au club. Bah, vous gagnez du temps, en fait. Vous gagnez un temps incroyable. Parce qu'après... vous ne faites pas des petites choses, et ce sont que des petites choses, hein. C'est rien de très important non plus. Hein. Mais vous ne faites pas ces petites choses. Mmh. Imaginez-vous le temps que vous passez après, que vous prenez le joueur ou les joueurs, vous leur expliquez d'une façon indirecte, d'une façon directe, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on attend. Mais déjà, le temps que vous gagnez. Alors après, il y a la compréhension du joueur aussi, hein, comment il l'interprète, comment il perçoit, comment il le lit, est-ce qu'il va se retrouver là-dedans, est-ce qu'il ne va pas s'y retrouver, dans ma carrière de joueur et même dans ma carrière d'entraîneur, j'ai vu des joueurs performants parce qu'ils jouaient dans un certain contexte qui leur plaisait, ces mêmes joueurs jouaient dans un autre club, dans une autre région, dans un autre contexte, et en fait, ils n'étaient pas bons. Mais c'était pas le problème de la qualité du joueur, parce que le joueur était le même, avec les mêmes défauts et ses mêmes qualités. Pourquoi il a été très bon dans un endroit et il a été très mauvais dans un autre? Bah, posons-nous la question, ou au moins le joueur se pose la question. Pourquoi? Et le joueur, hein, c'est le même. Pour moi, c'était le même. C'est vrai que des exemples comme ça de joueurs qui performent dans certains clubs, qui sortent un peu entre guillemets de leur zone de confort, on va dire, même si j'aime pas toujours le terme, mais qui reviennent parfois à la base et qui recommencent à performer au même niveau que le niveau qui était le leur quand ils sont partis. Il y en a pléthore, je pense. Toi, justement, en préambule, tu nous parlais un peu de la remise en question, de l'envie de prendre un peu tout ce qu'il y avait à prendre dans les clubs dans lesquels tu passais. Justement, dans l'optique de cette nouvelle génération, toi, t'as bientôt 20 ans, enfin, t'as 20 ans d'expérience maintenant en tant que coach. Comment est-ce que un peu t'as adapté ta méthode justement de management, ton discours envers les générations que t'as vu passer, parce que t'en as vu passer plusieurs au final. Ouais, j'en ai vu passer, ouais. J'en ai vu passer. Et des bons joueurs, des joueurs moyens, des joueurs... Bon, le constat, c'est qu'il y a une évolution, ça, c'est sûr. Hein. Entre ce qu'il y avait il y a 20 ans, il y a même il y a 10 ans, même 5 ans, les choses ont évolué. Mais comme nous, les entraîneurs, on a évolué aussi... moi, je peux dire aujourd'hui, je suis un autre entraîneur après mon passage à Bastia que dans les autres clubs. Je suis devenu un autre entraîneur. C'est la vérité. L'approche de mon travail est différente. Ça a été une remise en question de ma part aussi. Et je me suis rendu compte de certaines choses. Et à commencer, effectivement, par les rapports avec les joueurs. Alors ça, c'est un sujet... pour moi, c'est un sujet sensible. Je vois bien qu'à travers l'actualité... beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de joueurs, ou présidents parlent de ça, le rapport avec les joueurs, la confiance qu'on peut donner aux joueurs. Ça n'a pas toujours été un sujet où j'ai été d'accord avec mes dirigeants et j'ai été d'accord avec les joueurs. Il faut comprendre que nous, les entraîneurs, notre intérêt, c'est que tout le monde soit performant et qu'on soit bien avec les joueurs. Il faut que tout le monde comprenne ça. Dire nous, si notre intérêt, c'est le sens inverse, c'est de rentrer en conflit avec les uns et les autres, en fait, on sait qu'on est perdant. On est perdant. De toute façon, les joueurs, ils décident. Hein. Investir, ils décident. Hein. Ils ont cette possibilité ou malheureusement cette force de pouvoir décider. Donc nous, notre intérêt, c'est d'avoir des relations les plus saines et les plus franches et les plus honnêtes avec les uns et les autres.
Quand vous rentrez dans un club ou quand vous faites la connaissance des joueurs et quand vous faites des entretiens individuels et vous expliquez comment vous allez travailler et quels sont les rapports qu'on va avoir avec les uns et avec les autres, que ce soit sur un collectif ou que ce soit sur le propre joueur individuellement, vous leur expliquez. Bien souvent, ils sont d'accord avec vous. Ouais, c'est super. Quand vous expliquez que vous avez, quand il y a des choses à dire, il faut les dire. Mais on ne dit pas que les mauvaises choses, on dit aussi les bonnes choses. Quand le joueur il est bon, ben on a le droit de lui dire qu'il est bon et qu'il faut qu'il continue. Moi, je suis dans ce mode de fonctionnement. Par contre, quand ça ne va pas, il faut le dire aussi. Alors parfois, on le dit d'une façon un peu virulente, on le dit d'une façon un peu sec, mais comme on le dit aussi quand c'est très bien, quand on va voir le joueur, on dit, tiens, je suis satisfait de tes performances, tu me surprends, tu m'étonnes. J'en suis très heureux parce que les discussions elles tournent autour de ça aussi parfois. Et la chose que j'ai du mal à. J'ai du mal ou je ne suis pas d'accord, je dirais la marque la plus importante de confiance que vous pouvez donner à un joueur, c'est de le faire jouer. Quand vous faites jouer un joueur régulièrement, qu'il soit moyen, pas très bien ou qu'il soit très très bon, la marque de confiance, la vraie marque de confiance, c'est celle-ci. Après, vous pouvez avoir toute une forme de discours avec lui. Il ne m'aime pas suffisamment. Pourquoi il n'a pas une approche comme ça? Il n'a pas une approche avec l'autre comme ça? Parce qu'un joueur, il n'arrête pas de regarder tout ce qui se passe. On est examiné tous les jours, toute minute. Pourquoi il ne m'a pas touché de cette façon? Et lui, elle l'a touché d'une autre. Et ça, il ne faut quand même pas oublier que nous, on nous demande des résultats, on nous demande d'être performants, mais eux, il faut qu'ils soient aussi performants. Il faut qu'ils soient performants, il ne faut pas qu'on oublie. Et là, on en revient à un problème pour moi qui est devenu un vrai problème. Et tout le monde se cache derrière ça, le problème de l'ego. Aujourd'hui, les joueurs, ils ont un ego démesuré. Démesuré dans le bien et dans le mal. Dire quand je dis dans le bien et dans le mal, c'est quand ils font des bonnes choses. C'est toujours très exagéré les bonnes choses qu'ils ont faites. Et quand ils font de mauvaises choses, bah c'est souvent très exagéré et c'est surtout pas de leur faute. Et souvent, leur réponse, ou la réponse du monde extérieur du foot, oh, il a un ego démesuré. En fait, l'ego, on pourrait s'en servir comme force. Et aujourd'hui, je pense qu'on s'en sert comme faiblesse. Parce qu'on ne se sert que de ce mot, l'ego. L'ego, mais d'avoir un ego, c'est bien, il faut l'avoir. Mais de s'en servir simplement comme mot, et non pas comme des actes, là, ça devient un peu embêtant. Dire d'avoir soi-disant la science infuse, moi, je ne connais personne qui a la science infuse. Comme joueur, comme entraîneur. Il y a des entraîneurs qui gagnent. On peut dire que Guardiola, Klopp, qui gagnent tout le temps, mais avec les joueurs qu'ils ont, et on est dans un autre monde. Hein. Le management, il est. En fait, on ne se rend même pas compte de ce que ça représente, parce que là, il n'y a que des égos. Mais quand vous. Il n'y a que des égos, mais ces égos-là, ils sont faits que pour gagner. Ils ne sont pas faits que pour argumenter ou expliquer. C'est la grande différence. Et aujourd'hui, nous, on passe notre temps à expliquer. On explique ou à comprendre ou à démontrer. Et l'ego est devenu une susceptibilité importante. En fait, il est difficile de dire des choses concrètement aux joueurs aujourd'hui parce qu'ils sont d'une grande susceptibilité. D'une grande susceptibilité. Mais malheureusement, on est confronté aussi à cette vie-là. Dire aujourd'hui, on a tous du mal à entendre que quelqu'un peut nous reprocher ou nous dire « t'as tel défaut ». Moi, je considère que quand une personne, deux personnes, trois personnes, 10 personnes, 20 personnes vous commencent à vous dire « Régis, tu déconnes, ce défaut est souvent trop répété », maman, on a le droit de se dire « quand il y a 20 personnes qui m'a dit… » la même chose, et il doit y avoir un problème.
Et je pense que la nouvelle génération se cache parfois derrière ça, et se cache derrière cet ego de dire moi j'ai un ego démesuré ou j'ai un ego. Mais en fait, vous n'avez pas d'ego, en fait. Vous n'avez pas d'ego, en fait. C'est un manque de personnalité, ça. Et malheureusement et heureusement, je crois fortement au talent des jeunes aujourd'hui. Je crois fortement au talent des jeunes parce que les jeunes aujourd'hui, ils ont un avantage sur nous, c'est qu'ils vont plus vite que nous. Ils vont plus vite que nous sur l'aspect physique, ils vont plus vite que nous sur l'aspect visuel, ils vont plus vite que nous sur la réflexion et ils ont beaucoup plus de talent que nous qu'on pouvait avoir. Et moi, c'est un constat que j'ai fait, ça. Il y a des joueurs, parfois, vous leur dites une fois les choses, ils ont compris. Il y a d'autres joueurs, vous devez leur répéter 20 fois. Mais ce n'est pas qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils ne veulent pas comprendre. Et parfois, ça m'est arrivé de faire des exercices ou des discussions, d'amener toujours le même sujet, mais d'une autre façon. Et la réponse n'était pas toujours la même. Et c'est là que je comprenais et je savais qu'ils avaient compris. Et quand je dis que la jeunesse aujourd'hui a un pouvoir, mais je dis la jeunesse footballistique comme la jeunesse de la rue, hein. La jeunesse, je peux parler, je suis grand-père, j'ai des petits-enfants et j'ai des enfants, je vois, je veux dire, je vois que ça va vite, ça va très très vite. Mais il faudrait pas qu'il se cache derrière de fausses raisons ou de fausses excuses. Et d'essayer ou de pousser, nous les entraîneurs, qui se servent de nous comme un paravent. Parfois, ils peuvent le faire, mais il ne faut pas que ce soit toujours le cas. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut qu'on leur demande aussi, on leur demande aussi d'être performants. Faut qu'ils comprennent que c'est notre métier aujourd'hui, s'il faut qu'on soit performant. Performant, et pour être performant, ben il faut travailler, il faut bosser, il faut accepter, il faut écouter, il faut. Et en fait, j'ai pas de mal de parler de ça, parce que j'ai fait des erreurs, moi, en tant que joueur aussi. J'ai eu la chance de connaître 20 entraîneurs, 20 entraîneurs, 20 entraîneurs. Et des gens bien, et des gens pas bien, et des gens compétents, et des gens. Je pourrais parler de tous. J'ai pris de tout le monde. Et même des gens avec qui où le rapport n'existait pas, où ça passait mal. Mais je reconnaissais qu'ils m'avaient appris des choses et qu'aujourd'hui, je me suis servi aujourd'hui. Et voilà. Comment je vais appeler ça? Le curseur. De trouver le bon curseur dans la relation entraîné-entraîneur, il n'est pas toujours facile. Et il faut qu'ils comprennent que nous, on nous demande aussi beaucoup de choses. Mais il faut qu'ils sachent que nous, les entraîneurs, on les aime, hein, les joueurs. Hein. On les aime. Mais vraiment, il faut qu'ils comprennent ça. Et je ne comprends pas pourquoi ils ne comprennent pas ça, parfois. Mais parfois. On doit être sévère, et puis on doit dire aussi les choses. On doit dire les choses. Quand t'es pas bon, t'es pas bon, mec. Quand t'es bon, t'es bon. Et on le dit aussi. Et c'est mon mode de fonctionnement. Mais on doit pas. Pourquoi il n'accepterait pas qu'on lui dise simplement, bah, des fois t'es pas bon. Ou tu ne fais pas ce qu'on te demande. Et voilà. Et bon, voilà. C'est un peu. C'est complexe. Et je terminerai là-dessus. La meilleure preuve de confiance qu'on donne à un joueur, c'est quand on le fait jouer. Après, le reste, c'est du blabla, c'est de la merde, en fait. Franchement. Franchement. Et parfois, moi, ça m'arrive, ça m'est arrivé, ça m'arrive, parce que, alors c'est vrai que parfois, on a des accroches plus importantes avec des joueurs parce que mais ça c'est l'humain, on peut parfois, mais moi je peux très bien pas m'entendre avec quelqu'un où on n'a pas les mêmes connexions
de la vie, mais j'étais toujours fait jouer. Parce qu'il était, pour moi, il était performant pour l'équipe, et pour le résultat, et pour lui aussi. Et pour lui aussi. Parce que, dire moi, une des plus, pas fierté, mais dire, il y a tout un tas de joueurs que j'ai eu avec moi, et qu'aujourd'hui, que je les vois jouer en Ligue 1 aujourd'hui, comme je leur dis, j'ai moi ma plus grande fierté, le plus grand bonheur pour moi, c'est d'avoir contribué à mon niveau, ou d'avoir participé à mon niveau, à ta progression et te voir. Moi, quand je m'assois dans mon canapé et je regarde des joueurs que j'ai eus avec moi et qui jouent dans des championnats européens ailleurs ou en France et en Ligue 1 ou ailleurs, je me dis, bah, en fait, j'ai fait une partie de mon travail. Tu penses à qui quand tu dis ça? Tu as forcément un joueur en tête, là. Mais il y en a plein, je veux dire. Là, ces derniers temps, si je prends que l'actualité du moment, Van de Kerkhoff, Magri, Van de Kerkhoff... Van de Kerkhoff, il venait du Luxembourg. Il jouait devant 50 personnes. 50 personnes. Mais on regardait en 2 ans de temps, en 2 ans et demi de temps. Et quand j'étais au Luxembourg, je l'ai découvert la première fois. Je prends cet exemple parce qu'il est, il est marquant pour moi. Mais la première fois, je le vois jouer. Mais j'étais assis, on était 20 dans la tribune. 20. Un temps pas possible au Luxembourg et ça tombait de l'eau, de l'eau, de l'eau. Il faisait froid. Et... Parce que voilà, on oublie un peu tout ça. Et je le vois jouer, je lui dis, mais en fait, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et on se parle comme ça, sur le parking. Et je lui dis, si un jour j'ai l'occasion de pouvoir te faire travailler avec moi, je le ferai. Ok. Parole tenue. Je le ferai. Et quand je suis arrivé à Bastia, on s'est appelé, on s'est envoyé des messages. Je dis, si je peux te faire venir. Mais je savais qu'il allait me rendre. Et il me l'a rendu. Hein. Et aujourd'hui, moi, je suis. Le plus heureux de le voir jouer en première division. Il y a 2 ans ou il y a 3 ans, il était au Luxembourg. Personne ne le regardait. Mais ça, c'est les années les plus récents. Hein. Je veux dire, Romain Seys, qui est le capitaine de la sélection du Maroc, qui a fait la dernière Coupe du Monde. Je veux dire, quand je l'ai avec moi à Clermont-Ferrand, c'est moi qui le fais jouer derrière. Il jouait au milieu. Et j'expliquais à Romain tous les jours, j'ai dit, mais tu ne te rends pas compte que ton avenir, il se trouve là, gaucher, va vite, bon jeu long, bon jeu mi-long, bon jeu aérien. Je veux dire, tu as tout le jeu devant toi, de jouer au milieu, tu vas te mettre en difficulté. Et là, dans ton positionnement, il peut t'arriver que du bien. Que du bien. Mais moi, quand je vois Romain Seys, capitaine de la sélection... de la sélection pendant la Coupe du Monde et faire une demi-finale de Coupe du Monde, bah et j'en ai plein comme ça, hein. j'en ai plein donc alors après ça s'est mal passé avec des joueurs aussi, ça s'est mal passé mais ça s'est mal passé pas pour toujours les bonnes raisons qu'on peut donner. Parce que parfois, ça s'est mal passé parce qu'on a dit des choses qu'on ressentait qui étaient souvent, malheureusement, la vérité. Ok. C'est pas toujours très agréable à entendre. Facile à entendre, oui. Voilà. Est-ce que pour toi, alors il y a forcément les leviers sportifs, réussir à faire progresser quelqu'un athlétiquement, tactiquement, etc. Mmh. Mais ces leviers psychologiques, est-ce qu'ils sont encore plus important pour toi aujourd'hui, ou c'est juste qu'on en parle plus, ces petits déclics psychologiques dont on parle pour certains footballeurs? Est-ce que pour toi ça devient vraiment essentiel pour un entraîneur d'être en mesure de les débloquer? Oui, malheureusement on n'a pas toujours les outils pour trouver les vrais leviers psychologiques. Exercice, il y a peut-être des choses, on n'a pas toujours la même perception. Alors aujourd'hui, je vois bien que c'est un sujet aussi dans le monde sportif, préparateurs mentaux, préparateurs mental, individuel, collectif. Je n'ai pas toujours été pour. Hein. On m'a souvent proposé ça. Je pense que ça doit avoir sa place dans le foot aujourd'hui, mais les premiers concernés. Sur l'aspect psychologique vis-à-vis des joueurs, ça reste quand même l'entraîneur. Après, qu'il y ait des aides du monde extérieur à travers ses préparateurs mentaux,
parce qu'ils ont, ils ont des outils où ils ont un discours, ils ont l'utilisation de certains mots qu'on n'utilise peut-être pas nous, parce que parce qu'on est, on est peut-être pas formés aussi pour ça. Et peut-être que nous aussi, les entraîneurs, on devrait peut-être avoir de temps en temps le soutien de quelqu'un aussi pour nous soutenir et peut-être nous faire comprendre dans notre approche verbale, dans notre approche non-verbale, donc gestuelle, puisqu'il y a plein de choses, puisqu'il y a plein de choses à faire. Mais pour moi, la chose la plus importante là, dans la relation, ça restera la confiance de son entraîneur, et inversement, bien sûr, et inversement aussi. Et on voit bien que parfois, des équipes moyennes ou avec du talent moins important, avec simplement que la confiance, ou une osmose s'est créée, ou il y a quelque chose, parce que ça arrive, hein, et ça fait le charme d'une équipe et du foot. Le truc, le vecteur le plus important, ouais, la confiance. Alors après, moi parfois, je pense que j'ai des manques. Il y a ouais, des manques dans une certaine approche. Parce que on parle souvent du côté émotif. On ne gère pas les mêmes émotions de la même façon. Alors tout à l'heure, tu as utilisé un mot. Sortir la zone de confort, tous ces mots là qui reviennent au quotidien régulièrement, tout le monde l'emploie partout et pour rien. Voilà, parce qu'il faut utiliser cette phrase parce qu'elle est à la mode. Et comme aujourd'hui on parle beaucoup des émotions ou la difficulté de gérer les émotions, parce que en fait on ne connaît pas toujours le niveau d'émotivité, je ne sais pas si ça se dit comme ça, de la personne. En fait, on ne la connaît pas toujours, parfois. On ne sait pas que parfois des joueurs ou des entraîneurs, ils ont un niveau d'hypersensibilité hyper important. Mmh. Et qu'ils ont une perception des choses bien plus importante que certains peuvent le croire. Et que parfois, c'est d'une grande violence. Et on l'ignore vis-à-vis du joueur et on l'ignore vis-à-vis de l'entraîneur. Et quand je parle des entraîneurs, c'est la relation avec les joueurs et la relation aussi avec les dirigeants. Comme on peut avoir aussi la relation avec les journalistes. Parce que ça fait partie de notre boulot et ça fait partie de toutes les relations avec qui on travaille. Et je pense que la plus grande difficulté, c'est de le percevoir, ça. Et on n'y arrive pas toujours. On n'y arrive pas parce qu'on n'a pas, les éléments et on n'a pas les codes, en fait. On ne les connaît pas. Et l'évolution de notre travail aujourd'hui, le métier d'entraîneur, et je pense qu'il se trouve ici. Je crois que c'est le plus important. La tactique, la technique, la façon de travailler, les entraînements... On a tous nos conceptions, on a tous nos principes, on a tous, mais ça se regroupe quelque part. Je ne vais pas dire qu'on connaît tous le foot, mais on connaît le foot quand même. Mais aujourd'hui, tout ça, ouais, l'émotivité individuelle et l'émotivité collective, c'est deux choses aussi différentes. Vous savez, les joueurs font attention à tout. Le comportement que vous pouvez avoir sur le banc, le gestuel que vous pouvez avoir sur le banc, les mots que vous pouvez utiliser. Vous utilisez, moi je suis très axé là-dessus, sur des citations, sur des... Bon, parce que je me sers de beaucoup de choses. La compréhension aussi, comment ils vont l'interpréter, la compréhension, Nous, parfois, on utilise des termes, on utilise des façons de faire, et pour nous, ça nous semble tellement logique, mais parfois, c'est tout le contraire pour eux. Et voilà pourquoi c'est le bordel, en fait. c'est complexe, et que parfois, on n'arrive pas à se comprendre. Mais la finalité de tout, c'est que nous... Et moi, c'est que on veut que ça fonctionne. Parce qu'on peut en tirer que des bénéfices que nous-mêmes. Tout le monde va être gagnant.
Mais moi, c'est ce que je leur ai... On leur explique. On leur explique. Tout le monde va être gagnant là-dedans. Il y a Mais bon, on verra certains. les rapports humains. Ouh là là. Mais il y a certains coachs qui sont au contraire plutôt pour cloisonner, en tout cas pas être, pas, ils sont pas là pour être les amis des joueurs. Et j'imagine que t'es pas non plus là pour, c'est pas ton métier non plus d'être leur meilleur ami, de les connaître sur le bout Non, des mais doigts, non, mais au moins de les comprendre. mais on n'est pas leurs potes, hein, on n'est pas leurs Ouais, copains. bien sûr. Hein. Hein. Non, non, mais ça, il faut qu'ils comprennent. Alors, ils ont beau expliquer, moi je. Non, non, mais le coach, on n'est pas le copain des joueurs. Et les joueurs, ils sont pas les copains de l'entraîneur non plus. Hein. On est. Non, il faut pas. Dire si on veut faire une équipe de copains, ben, on va jouer dans la semaine, on joue avec ses potes. Plus des potes et on va jouer avec nos potes. Et là, il y a, en fait, on va se disputer, mais on va se disputer parce qu'on est potes. Voilà, mais. Non, 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 on n'est pas copains, on n'est pas fait pour être copains. On n'est pas fait pour être copains, mais on est fait pour gagner ensemble, travailler ensemble et d'accepter ensemble les choses. Et d'accepter, c'est. Et inversement, accepter eux et accepter nous. Mais on n'est pas copains. Maintenant, on peut avoir des relations. Privilégié avec certains, mais ça c'est, mais ça on est confronté tous les jours avec dans la vie ça. On peut avoir des problèmes de voilà, on s'entend bien avec ta personne parce qu'on a la même conception ici et là, mais on peut être copain après quand on travaille plus ensemble. Ouais, Moi je suis d'accord. en relation avec des joueurs aujourd'hui, je veux dire même si c'est pas mes potes, mais j'ai encore en relation avec eux. Mais ils savaient que même si le, parfois ça se joue à peu de choses hein. Ça se joue à peu de choses. Dire le copinage, la relation de confiance, parfois elle est limite, hein, parce qu'on l'a aussi parfois avec certains joueurs, je dois l'avouer. Mais en même temps, on se doit, nous les entraîneurs, d'avoir le recul nécessaire et de dire à un moment, même si je t'apprécie en tant que personne, il y a la personne, puis il y a le joueur, qui sont pour moi deux personnes différentes. Dans l'approche de notre boulot, de notre travail. Voilà. Et... Alors après, chacun agit. Il y en a qui ne parlent pas, il y en a qui n'ont aucune communication, il y en a qui une communication fermée. C'est vous faites ça et c'est pas autrement. Et j'en ai connu. Hein. Moi, j'ai connu des entraîneurs. En fait, je sais même pas si j'entendais le son de sa voix ou le seul son de sa voix, c'était pendant la discussion du match. Mais j'avais aucune discussion directe avec ces gens. Aucune. Eux, ils considéraient que nous, on était là pour être performants et pour jouer et gagner les matchs points. Après, ça, c'est une forme de génération. Mais aujourd'hui, c'est. Non, c'est plus comme ça, en fait. C'est plus comme ça. C'était la question que j'allais te poser, mais du coup, tu as répondu. Est-ce que Ouais. cette démarche de dire, voilà, on est avant tout là pour travailler, on n'est pas là pour être pote et forcément s'entendre à la perfection. J'allais te demander si justement c'était quelque chose, toi, de ce que tu avais pu voir par le passé et maintenant, quelque chose de nouveau qui est un peu propre à cette nouvelle génération. Est-ce qu'avant, on était plus sur une génération de joueurs qui savaient ce qu'il avait à faire, qui avait peut-être un peu voilà, le respect des aînés et entre guillemets de la hiérarchie, Il y si avait je puis dire. le respect. Mais c'était quelque chose de naturel. Et Bien, moins en fait, maintenant. il y a du respect quand même. Moi, je veux pas dire qu'ils sont irrespectueux. C'est pas vrai. Ouais, non, mais c'est bien parce que ça permet de pas Ouais, non, rester non, ils dans sont. ces idées reçues non plus. Ouais, non, non, ils sont pas irrespectueux. Alors, ils sont respectueux à leur façon. Ils l'expriment à leur façon. D'une façon maladroite, sûrement parfois. Ou détachée. Mais moi, je ne crois pas un seul instant qu'ils sont irrespectueux. Je ne crois pas à ça. Ils donnent la sensation, ils donnent l'impression, hein, mais à commencer par moi, hein, j'ai été parfois dans des colères incroyables à leur dire vous êtes irrespectueux des choses. Dire c'est pas normal. Mais moi, je ne crois pas à ça. Ils sont. Alors, encore une fois, après, c'est dans leur monde, hein, c'est dans. Ils sont ailleurs, ils sont éparpillés. Mais il y a quand même un moment où non, ils respectent les choses. Alors après, on est parfois emporté par le résultat, par la performance. On est énervé, ils sont irrespectueux, ils respectent rien, ils se foutent de notre gueule.
voilà, le truc basique d'énervement, parce qu'on est agacé, énervé, et on est porté par cette émotion pourrie qui nous prend le ventre, qui nous prend parce qu'on comprend, on comprend pas, ou on comprend, mais en même temps on se dit on comprend pas. Il y a des choses qui nous résonnent pas, qui ne, en fait, c'est pas nous, mais on ne travaille pas que des gens qui sont comme nous, et heureusement. Mais ils sont respectueux. Il faut pas toujours simple, mais il faut comprendre. Il faut comprendre. On est énervé, hein. On est très énervé. Très énervé. En fait, c'est surtout. C'est pas le problème d'irrespectueux ou respectueux, c'est que nous, ce qui nous agace le plus, en fait, c'est le manque d'engagement. Le manque d'engagement. Dire on n'en reprochera jamais à quelqu'un de ne pas s'engager suffisamment. S'il s'engage même plus qu'il devrait s'engager, comment on va reprocher ça? En fait, ce qui nous agace le plus, c'est le manque d'engagement et ce côté apathique parfois, de dire, bon, ça ira mieux demain. Non, 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 ça ira pas mieux demain. On ne maîtrise pas demain, nous. En fait, aujourd'hui, on maîtrise que le moment. Le moment, c'est le match. C'est ça qui nous agace. C'est ça qui nous énerve, le manque d'engagement, le manque d'investissement, qui nous donne la sensation ou l'impression de ouais, c'est bon. Combien de fois j'ai entendu ce mot, ouais, c'est bon, coach. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Il faut et souvent malheureusement il faut le répéter. C'est ça qui est. Faut toujours revenir. Dire nous, notre génération, on nous le disait une fois, deux fois. En fait, on avait compris. Okay. Et là, il faut souvent revenir. Il faut souvent revenir. Sauf les joueurs hors catégorie, ou les joueurs d'une certaine catégorie. Eux, on n'a pas besoin de leur répéter. Ok. Parce que eux, ils savent pourquoi ils sont là. Mm-hmm. Et il y a une catégorie de joueurs, ils ne savent pas. Mais il y a une catégorie de joueurs, ils savent pourquoi ils sont là. Ils savent que vous n'avez pas de problème, en fait. Vous n'avez jamais de problème avec eux. Jamais. Jamais. Parce qu'ils savent, tout simplement. C'est ce genre de joueurs qui, ça vous y vont et qui vont devenir de grands athlètes, ou en tout cas, s'ils ne sont pas embêtés par des blessures, mais en tout cas, qui y vont, quoi. S'ils ne sont pas mangés par les petits, par des petits oiseaux, ils ont tout droit, bien sûr. Bien sûr. Après, okay. Voilà, c'est un autre sujet. Hein, après, l'environnement, les agents, la famille, les copains. Après, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Voilà. Mais bon, on va pas parler de ça. C'est un autre sujet. Ça marche. Justement, pour on va dire, une des dernières questions que j'ai sur ce côté management. Après, toi, je ne sais pas si, Julien, tu voudras rebondir sur certaines choses. Mais j'avais vu, justement, Nicolas Palois qui parlait de toi dans 20 minutes comme un grand meneur d'hommes. Et toi, c'est vrai que tu as eu ces parcours en Coupe de France, notamment avec Quevilly, dont on parlait tout à l'heure, où tu es allé jusqu'en finale, avec Bastia aussi, où tu es allé en quart de finale de Coupe de France. Est-ce que toi, tu te qualifierais, même si c'est pas facile de le dire à propos de soi-même, mais est-ce que tu te qualifierais comme un meneur d'homme au niveau de ton niveau de management? C'est difficile de parler de soi-même. Je pense être quelqu'un de passionné. À partir du moment où vous êtes passionné par ce que vous faites et parce que vous faites, en fait, vous êtes engagé dans votre expression et dans votre façon de faire et d'agir. Alors, on secoue, on dit les choses, on a notre façon de s'exprimer, on trouve toujours des moyens ou des raisons de motivation, mais c'est un travail. Hein. Je n'arrive pas 10 minutes avant la discussion et 10 minutes et je ne savais pas ce que j'allais dire. Non, c'est tout un travail de la semaine parce que je suis passionné. Je veux dire, il y a des gens qui me disaient « le coach, il abuse, il est excessif, putain, il envoie quand même. » Et je leur répondais « mais non, non, non. » Je leur expliquais maintenant parce que c'est simplement de la conviction. Je suis convaincu par ce que je dis.
c'est la conviction. Ne vous sentez pas agressé. Et Nico, ce qu'il pouvait dire, oui, il est arrivé que parfois, il y a des discussions, bah, les joueurs se sont mis à pleurer, il y a eu une émotion forte qui est sortie. Une émotion forte. Mais même moi, je me suis retrouvé dans des positions parfois, dans un côté émotif important, où j'ai eu du mal à le maîtriser. Et c'est moi-même qui a mené ça. Et j'ai eu moi-même du mal à maîtriser. Parce que je voulais vivre comme ça. C'est ma façon de vivre. C'est ma façon de vivre aussi. Et de voir des joueurs avec la larme aux yeux m'a donné la larme aux yeux aussi à moi. Et on est parti dans un truc. Mais oui, ça m'est arrivé. Et ça m'est arrivé. Oui, encore. Ça m'est arrivé. Ouais. Mais parce que c'est ma... C'est moi, en fait, c'est tout. Alors, je ne vais pas trop parler comme ça, mais je suis comme ça. Mais je peux être comme ça aussi au restaurant avec des gens. À partir du moment où j'ai une perception des choses, je peux être comme ça. Je suis comme ça. Tu dirais, toi, que c'est... Justement, je parlais de ces épopées en Coupe de France, mais de manière générale, pour avoir une réussite aujourd'hui avec un groupe, tu parlais tout à l'heure un peu de Klopp, Guardiola, de ce qui ressort de leur vestiaire, c'est quand même que c'est des sacrés personnages en dehors même du football. Est-ce que tu dirais que toi, c'est important d'avoir cette capacité à se connecter émotionnellement aussi avec son vestiaire pour aller chercher des grosses saisons et des gros parcours? Pour moi, primordial. Okay. Chose essentielle, élémentaire, primordial. Sans ça, c'est de la merde. Bah pour moi, okay. Je parle de Klopp parce que Guardiola, parce que c'est les entraîneurs ici et là. Mais qu'est-ce qui ressort d'eux? Je ne vais pas leur parler de foot. Le foot, ils avec leurs idées. Moi, je vois bien ce qu'ils font sur le terrain. Mais moi, ce qui me frappe le plus, c'est ce côté émotionnel et ce côté passionnel qui dégage au quotidien. Mais même, on pourrait parler de... Simone de l'Atlético de Madrid, ils se mettent dans des états incroyables. Mais c'est en se mettant dans des états comme ça. Alors après, on va pas partager mon avis. Hein. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus calmes. Parfois, c'est du calme en apparence. Dire Monsieur Ancelotti, âgé, il vit aussi intensément que Guardiola, mais d'une façon un peu plus réservée. Mais quand vous voyez la façon dont il mâche son chewing-gum, c'est sûr qu'il bouge moins que Guardiola, mais c'est la même façon. Hein. C'est les deux mêmes. Pour moi, c'est la chose essentielle, primordiale. S'il y a un côté émotionnel connecté avec votre vestiaire et passionnel, pour moi, c'est pas dire c'est une gage de réussite. Mais en fait, vous employez, vous dégagez quelque chose. Et après, ils ne sont pas contents, ils sont contents, et c'est exagéré, c'est amplifié, il n'aurait pas dû nous parler comme ça, il n'aurait pas dû faire comme ça. Bon, bref. En fait, moi, le constat que je fais, c'est qu'après, quand vous revoyez des joueurs dans un hôtel, dans un aéroport, dans une gare, dans la rue, ici et là, et qui vous disent « Ah putain, quand même, c'était bien quand même, qu'est-ce qu'on a rigolé avec vous, et puis putain, ça nous a fait… ça nous manque. » Voilà. Moi, parfois, il y a des gens qui me disent, putain, quand même, vous nous avez cassé les couilles, putain, vous nous avez fait chier ici et là. mais vous savez, ça me manque. Ok. Voilà, moi, ça me suffisait. En fait, ça me suffit. Ça me suffit. Je comprends. Et on n'avait pas toujours de bons rapports. Mais j'étais là pour eux. C'était en tout cas très intéressant sur cette partie management. C'était vraiment passionnant d'avoir tes avis, en plus mêlés à des anecdotes. Vraiment, c'était top. Moi, j'aimerais bien finir sur peut-être deux. Je vais plus vous garder longtemps parce que j'ai un rendez-vous. Ça marche. On est en train de me faire signe, en train de me taper. On est en train okay. de Bouge-toi le cul, Régis. Je te propose juste de conclure tout simplement sur une question au niveau de la Ligue 2. Toi, tu m'as dit qu'aujourd'hui, ça allait plus vite, que peut-être que les joueurs étaient un peu plus athlétiques. Toi, la Ligue 2, voilà, je le disais en intro pour te présenter, tu l'as vu, tu l'as connu sous plein de formes différentes depuis plusieurs années. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de cette Ligue 2? Est-ce qu'elle devient pour toi...
voilà, de plus en plus compétitive. On le voit cette saison avec un classement très serré. Il y en a qui disent que c'est gage d'affaiblissement, d'autres qui disent l'inverse. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Mais comment on peut dire que c'est un gage d'affaiblissement? Ah, bon, nous, on n'est globalement pas d'accord Mais comment on peut avoir cette réflexion à partir du moment où c'est serré en bas, en haut, au milieu, vous êtes dixième, vous pouvez vous retrouver quatrième au bout de deux journées. On est bien d'accord, oui. Mais ça ne peut pas être un affaiblissement. Ça ne peut être qu'une progression. Ça veut dire que le niveau s'est élevé et que ça tient à rien. Ça tient à rien. Un poteau sortant, un poteau rentrant, une décision d'arbitrale, ça ne tient à rien. À rien du tout. Et le niveau de la Ligue 2 aujourd'hui... Et c'est quelque chose qui m'agace, c'est devenu un bon niveau, mais un bon niveau. Parce que déjà, ça travaille bien chez les entraîneurs, dans les clubs. Alors, il y a beaucoup de choses à faire dans les clubs, surtout sur les infrastructures de travail. Voilà, parce que là, il y a quand même des manques en France là-dessus, les conditions de travail, voilà, par rapport à certains pays étrangers. Mais le problème du niveau, que ce soit collectif et individuel, mais il est vraiment très, très intéressant. Et il est en progression. Et pourquoi d'avoir un championnat de Ligue 2 aussi passionnant? Bah parce que tout le monde se tient à peu de choses. Et vous pouvez vous retrouver avant-dernier, alors plus aujourd'hui, parce qu'il reste 9 journées de match. Mais il y a des clubs aujourd'hui qui ont des discours, qui ont 2 points d'avance sur le premier Eurolega, mais qui parlent de jouer les 5 premières places. Et qui sont toujours jouables. Hein. qui sont toujours jouables. Mais non. Les gens qui disent que c'est un affaiblissement du niveau, c'est... En fait, ça, c'est de la mauvaise foi. Ça, c'est de la mauvaise foi. Et je déteste ce défaut, la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Parce que non, le niveau est devenu très intéressant. Les équipes sont bien préparées. Il y a des principes... de chacun, ça marche, ça marche pas. Bon, après, voilà, après on peut dire rediscuter. Mais le niveau de la Ligue 2, mais qui regarde les matchs de deuxième division en Italie, en Espagne, en Allemagne, non, parce qu'en Allemagne, ça envoie. Qui regarde des matchs de deuxième division de certains pays, ben vous verrez la tristesse de certains matchs et du niveau d'intensité, de rythme qu'il y a. Il y en a pratiquement parfois, il n'y en a aucun. C'est d'une tristesse incroyable. Et je peux vous le dire parce que j'en ai regardé et ça m'arrive et j'en regarde. Et je peux vous assurer que les matchs de Ligue 2, il y a vraiment des matchs très intéressants aujourd'hui. Très, très intéressants. Et avec de bons joueurs. Avec de bons joueurs. De bons joueurs. Ça marche, c'est un avis, je pense, qu'on partage de toute manière chez ML2. Pour conclure, Régis, et pour pas que tu te fasses trop taper sur les doigts pour ton rendez-vous, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochains mois, les prochaines semaines, pour te donner le mot de la fin, tout simplement? Moi, mon souhait, c'est de me retrouver sur un banc, voilà, c'est tout. Moi, j'ai besoin de... J'ai besoin de me retrouver au milieu des joueurs, j'ai besoin de me retrouver sur le bord du bord du terrain, j'ai besoin d'être dans un stade. Voilà, ça c'est, en fait c'est ma vie, j'ai besoin de ça. Voilà, c'est ce que je me souhaite aujourd'hui. C'est même pas ce que je me souhaite, c'est ce que j'ai envie. Et voilà, donc ça va le faire, on va trouver une solution. Il n'y a pas de... Je vais encore faire encore un petit peu de... J'ai encore quelques petites choses encore à faire. J'ai encore envie de faire quelques petites choses encore. Il y a des choses encore en moi qui sont bien présentes. Ça marche. Mais c'est en tout cas ce qu'on te souhaite, ce qu'on te souhaite, nous, chez ML2. Un grand merci, vraiment, merci d'avoir à, été merci à vous. Avec nous aujourd'hui. Non, c'était sympa. Voilà, je pense que... Ça m'a fait du bien à moi aussi. Ok, voilà. C'est thérapeutique. C'est l'essentiel, c'est ce qu'on recherchait aussi avec ces podcasts. Et comme je le disais en intro, je me doutais qu'on s'était pas trompé avec toi. Donc, mille merci, Julien, merci également d'avoir été avec nous. Et puis, au plaisir de te revoir très rapidement sur un banc, Régis, du coup. Ok, ça va, c'est gentil à vous. Et merci beaucoup encore. Merci. À la prochaine. À bientôt, merci. Au revoir. Merci, Régis.
Voilà donc pour notre premier épisode sur cette saison 2023-2024 du podcast ML2. On espère que ça vous a plu, que vous avez pris autant de plaisir que Julien et moi à enregistrer cet épisode et à s'entretenir avec Régis qui a été tout simplement parfait et puis très très ouvert dans ses réponses. C'est le début, c'est que le début de ces podcasts. On va essayer de vous proposer ça de manière régulière avec des invités toujours très intéressants et des thématiques comme celle d'aujourd'hui. N'hésitez pas, voilà, à nous laisser vos meilleures 5 étoiles sur les plateformes de streaming. Ça nous aide beaucoup pour le référencement, tout simplement. Et puis bah c'était ML2, à très vite.